Coucou tout le monde. Alors, dites-moi, si vous ne voyez pas écrit en direct, là-haut, c'est que vous êtes en rediffusion. Donc, vous me faites un petit coucou, je te regarde en rediffusion. Tiens, j'ai une paillette là. Et alors, du coup, je vous fais des gros bisous d'avance. Pour celles qui me regardent en replay. Alors, aujourd'hui les filles, j'arrive pas à vous caler. Je sais pas ce qu'il a mon truc, il veut pas tenir. Attendez, je serre. J'ai même pas fait de partage aujourd'hui. Attendez, je passe derrière. Comment ça se fait que ça tient pas ça? Ah, c'est là. Ça y est, j'ai trouvé où c'est. On va serrer. Ça va plus bouger. Voilà, parfait. Je suis toujours en train de vous régler au dernier moment. Donc, j'ai pas fait de partage, les filles. Donc, je compte sur vous. Ok, je vais enlever mes loupes. Voilà. Donc, on va se démaquiller, les filles, aujourd'hui. On est dans la salle de bain. Je ne voyais pas l'heure passer, puis je me suis dit, bah il est bien long, mon petit Tom, hein. C'est normal, il est dans son bain, donc du coup, je suis venue faire mon live quand même. Donc, du coup, on fait le live avec Tom dans le bain. Oui, et là, il y a de la mousse qui tombe quand je fais ça. C'est ça, les petits claquements qu'on entend. Voilà, il y a de la mousse dans le bain, les filles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même mettre mon lien de boutique. Parce que maintenant, j'assure. Vous me faites un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, je sais si je vois vos messages ou pas. Pourquoi je ne sais pas cliquer dessus? Ah, voilà. Ouais, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Comme ça, je sais si je vois les directs, je suis briefée, si je vois les commentaires ou pas. Je sais que des fois, je les vois pas. Alors, du coup, à chaque fois, je suis inquiète. Parce que j'ai pas fait de partage et j'ai pas pris la tablette. Ah. Ben non, c'est une petite impro. Donc, les filles, pour celles qui ne connaissent pas, je voulais vous montrer le stick démaquillant. Alors, et ouais, pour se démaquiller, vous voyez, j'utilise ce petit stick. Dites-moi, les filles, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si je reçois mes commentaires ou pas. Et si je les reçois pas, mettez-moi des petits bonhommes en colère. Je le sens mal, je le sens mal. Bref. Du coup, bah tant pis. Hein, coucou Audrey. Je crois que j'ai pas vos messages. Ça craint, j'aime pas faire des lives sans vous lire, les filles. Ah si, coucou. Rassurée. Bon, je sais que je reçois pas tous les messages, ça c'est sûr, mais du coup je suis rassurée, j'ai vraiment cru que j'avais pas vos commentaires. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Je te regarde. Mais tu dois pas me regarder, tu dois te laver, sinon tu vas pas sortir du bain. Coucou Elodie, comment ça va? T'aimes bien être dans la mousse. Ah, mon Dieu. Bon, alors, du coup, on va utiliser ce soir le petit stick démaquillant, vous voyez, avec quoi je me démaquille tous les soirs. Vous allez voir, c'est juste magique, je l'adore, je ne saurais plus m'en passer. Coucou Audrey. Alors, regardez, c'est juste un stick, donc le produit forcément il est au bout du stick, hein. Valérie elle va expliquer le truc. On fait aller, toi, bah ça va, ça va, ça va, ça va. Alors moi je suis, comment vous dire, un petit peu sur un nuage, un petit peu perdu, un petit peu, voilà, tout ça à la fois. Le fait qu'on ait retrouvé, coucou Audrey, le fait qu'on ait retrouvé notre petite Kalia comme ça, c'est un peu frustrant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé finalement. On l'a retrouvé à, oui. Kalia, tu viens dans la mousse? N'importe quoi. On l'a retrouvé à 10-15 km de la maison. En fait, c'est une dame qui l'a retrouvée dans sa cour hier. À Rennes. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Oui, voilà, à 10-15 km. Et puis, du coup, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Parce que moi, je trouve que elle n'est pas maigre. Elle est grosse. Elle n'est pas sale. Elle n'a pas de puce. J'ai cru qu'on allait la récupérer avec plein de puces. Donc, on a fait super attention. Mais en fait, elle n'a pas de puce du tout. Donc, du coup, pour moi, alors déjà, je trouvais ça improbable que cette petite chatte de 6 mois arrive à faire 15 km et à se retrouver là où elle s'était retrouvée. Du coup, ben, on avait l'idée que quelqu'un l'avait aidée. Voilà. Donc, du coup, moi, dans mon esprit, je me dis que, coucou Audrey, je me dis que quelqu'un a dû la ramasser dans les reins quand elle s'était perdue.
ne sachant pas qui il était, bah, quelqu'un a dû la prendre. Et je pense qu'elle a dû passer ces 2 mois dans une famille ou en tout cas chez quelqu'un. Moi, j'aurai la certitude en tout cas. Romu n'est pas de mon avis, mais moi, j'aurai la certitude jeudi. Jeudi, elle va chez le vétérinaire pour faire une échographie. Parce que elle a bien. bien quoi, hein? Elle est pas maigre. Donc, oui, elle a bien grossi. Donc, du coup, c'est soit elle attend des bébés. Voilà, si elle a passé tout son temps dehors, ce serait pas improbable. Donc, soit elle attend des bébés, soit elle a bien mangé. Je pense pas qu'elle ait mangé comme ça si elle traînait dans la rue pendant 2 mois. Voilà, quelqu'un lui a donné à manger. Voilà, ça veut dire que quelqu'un lui aurait donné à manger. Donc, à mon avis, enfin, on saura. On saura ça jeudi. Pour moi, j'aurai ma certitude. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vous montre mon stick et qu'on va faire le panda. T'as déjà vu un panda, Tom? Oui, il a des taches noires et blanches. Il a des taches noires et blanches. Alors, je prends mon stick, il ok mange du bambou. Je l'applique sur mes yeux directement. Il mange du bambou. Chut, pipelette, directement sur l'œil, ok? Moi, je fais tout le visage avec. Hein. Là, je vous montre juste les yeux ce soir, comme ça, vous voyez un peu. Les sourcils, alors avec les doigts, on décolle, à l'intérieur vous avez de l'huile, bon là je fais des bêtises, des huiles végétales, et quand vous frottez, voilà, alors là aujourd'hui j'ai mis la base plus le 4D, hein, donc je peux vous dire que ça accroche bien, que pour démaquiller ça c'est costaud, regardez, vous voyez quand je passe le doigt, je sais pas si vous voyez bien, il y a tout qui se décolle en fait. C'est juste dégueu, hein, j'avoue. Je suis désolée de vous faire subir ça. Mais c'est la seule méthode pour vous montrer que vraiment, là, je le sens quand je passe le doigt, il y a tout qui se décolle. Voilà. Là, j'ai vraiment l'air con. C'est en fait. Pour savoir, il faut regarder. Mais alors, on a regardé. Mais elle a même pas de tétine, ma petite pupusse, des petites boulettes de rien du tout, toutes blanches, c'est pas gonflé. Non, moi, à mon avis, et depuis le début, je le disais, hein, que pour qu'on la retrouve pas comme ça, c'est que quelqu'un l'avait ramassée, donc pour moi, elle était chez quelqu'un. Aussi loin, par contre, ça, je me doutais pas du tout. Donc là, je prends une petite lingette, les filles, que j'humidifie, vous pouvez le faire avec un coton. Moi, je pense qu'elle a bien mangé, on l'a bien nourrie. En plus, c'était déjà une belle petite gourmande. Donc, si les gens n'ont pas dosé, bah, elle s'est bien nourrie. Puis là, elle réclame, hein, du coup. Hein. Nous, on dose. Hein, donc, regardez les filles. Franchement, regardez. J'ai juste passé un peu mon gant de toilette. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai même pas besoin de frotter. J'ai même pas besoin d'utiliser coton. Et vraiment, tout est parti. C'est incroyable. J'adore ce stick. Je ne sais plus m'en passer. Je trouve qu'il est à la fois économique, écologique. Franchement, il est top. Et on en met très peu. Hein, donc, du coup, on le garde quand même assez longtemps. Hein. Regardez-moi ça. Non, non, elle n'a pas du tout les petites tétines gonflées. Donc, c'est ça qui me fait rire. Alors, quand je lui touche son bidon, parce que normalement, on ne doit pas le faire. Donc, je suis allée voir pour tester. Hein, je vais toucher son petit bidon. Alors, je lui dis, ouais, d'accord. Alors, en même temps, du coup, ça me fait un peu mal au cœur parce que je me dis que si elle a passé 2 mois, bah ouais, pour moi, elle attend pas de bébé. Si elle a passé 2 mois dans une autre famille et qu'elle s'est re-sauvée de cette... C'est une baroudeuse, hein, on va lui mettre un GPS autour du cou. Alors ça, c'est sûr et certain, je la laisse plus comme ça. Mais ça veut dire que bah, la famille qui l'a recueillie, bah là, ils sont en train de chercher après elle, quoi. Donc ça me fait vraiment mal au cœur. Puis je me dis, puis elle, on la chamboule un peu, parce que du coup, bah voilà, elle a peut-être rencontré une belle petite famille aussi de ce côté-là. Et puis, bah, on l'a reprise, quoi. Alors du coup, il y a tout qui chamboule un petit peu dans ma petite tête, là. Je sais plus quoi penser, mais bon, voilà, c'est notre chat, quoi. En tout cas, c'est bien elle, hein. On est allé voir chez le vétérinaire. Alors, je vais mettre aussi le stick sur mon visage. Donc, les filles, vous pouvez vraiment, même si vous avez la peau grasse, utiliser le stick sur le visage sans problème. Chose que je disais pas avant, mais à défaut d'avoir testé. Ce sont des huiles végétales. Donc, en fait, c'est pas des huiles qui vont graisser votre peau. Ce sont des bonnes huiles. Au contraire, elles vont nourrir la peau. Donc là, je décolle mon fond de teint. Je le sens...
Ah, je suis glamour aujourd'hui, c'est un truc de dingue hein, quand même. Hein. Un truc de dingue. Hein. Qu'est-ce qu'on est belle quand on se démaquille. Oui, Tom? C'est pour ça que ça me fait un problème parce qu'il y avait plein de noir. Oui. Voilà, et là on rince. Donc là je reprends, voilà, ma petite lingette que je nettoie. J'en ai deux, j'en ai une pour les yeux et un gant pour le visage. Et après je vais nettoyer avec mon nettoyant, hein, avec mon nettoyant visage classique. Et voilà, et là j'ai plus un grain de maquillage sur le visage. Tout ça avec ce petit tube les filles. C'est mon petit tube magique que j'adore. Et en plus il nourrit le visage, voilà. C'est pas des démaquillants avec plein de produits chimiques. Vous allez dire, je vous saoule avec les produits chimiques, mais c'est tellement ça. Les filles en atelier samedi. Je sais pas s'il y a des filles qui étaient à l'atelier samedi là sur le live. Ah, on le voit que je suis démaquillée, hein. Wouh! J'ai pas fait une très bonne nuit avec tout ça. On a testé l'application. Je sais plus comment elle s'appelle cette application. Non, je vous avais donné le titre ou pas? Attendez, je vais faire une tentative de ne pas couper mon live. Là, je prends un très gros risque. Dis les filles. C'est une application que vous installez sur votre téléphone. Hein. Vous allez dans l'application et puis vous cherchez Clean. Clean comme nettoyer, C-L-E-A-N. Et Beauty comme beauté, mais avec un Y au bout. Et puis, c'est comme un petit... Bah, c'est, vous prenez une photo, en fait, de vos produits. Alors, comment je peux vous montrer? Je vais vous montrer ça, par exemple, là-dessus. Là, on a les ingrédients. Voilà, derrière vos produits, vous avez la liste des ingrédients, comme ça, là. Et vous venez prendre en photo la liste des ingrédients. Et l'application vous dit s'il y a des produits toxiques, s'il y a des produits chimiques. Ou alors, il peut très bien vous dire qu'il n'y a rien à signaler. Rien à signaler ici, les filles. Par contre, on a fait le test. Et les filles qui étaient en atelier avec moi samedi, parce qu'on a fait l'atelier soin... En rentrant chez elles, elles ont fait le test et je peux vous dire qu'elles ont eu sacrément des mauvaises surprises. Voilà. Et pourtant, sur des grandes marques. Hein, donc. Et moi, je le sais ici, hein, Quentin, il utilise un shampoing, il ne veut pas changer son shampoing. Je le saoule avec mon bio. Donc, il ne veut pas le... Mais alors, quand j'ai scanné, je lui ai montré. Voilà, ok? Donc les filles, faites attention à ce que vous utilisez, surtout sur vos yeux, hein, faut faire attention. Et là je le sens, je me suis pas encore nettoyée le visage, j'ai juste, voilà, démaquillée. Et j'ai déjà la peau toute douce, ça me fait trop de bien. Voilà les filles, est-ce que vous voulez voir Tom dans le bain? Oui. Si vous voulez voir Tom dans le bain, tu caches ton kiki, hein. Si vous... Facebook. Si vous voulez voir Tom dans le bain avec sa mousse sur la tête, vous pouvez lui mettre des petits cœurs, plein de petits cœurs. Si je vois passer les petits cœurs, on ira faire un petit coucou vite fait à Tom avant de quitter le live. Il s'est fait une barbe. Il s'est mis la mousse sur la tête. Et il va peut-être falloir sortir du bain aussi, mon cœur. Pourquoi je vois pas vos petits cœurs? Personne veut voir Tom dans le bain. Allez, cliquez sur les petits cœurs, les filles. Ouais, je sais, il y a... C'est parce qu'il y a un décalage, mon chaton. Faut attendre un petit peu. Et là, on va avoir plein de cœurs. Non, j'ai pas de cœur. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Bah non, il a raccroché. Allez, ah, j'ai des cœurs, j'ai des cœurs, j'ai des cœurs. Ça y est, ça arrive. Allez, on va aller faire un petit coucou. Tu montes surtout pas ton kiki, hein, mon chéri. Il est capable, hein, lui. Faites attention, les filles, vous allez être chaud. Regardez, il y a le Père Noël. Il est heureux comme un pape, cet enfant, je vous jure. T'es content d'avoir retrouvé Kalia? Oui. Oui, hein. Avec de la barbe à papa. Avec de la barbe à papa. Voilà les filles. Ah bah, il y a plein de petits cœurs qui arrivent maintenant. Je les ai à c'est pas mieux comme ça? Non, c'était mieux tout à l'heure. Allez, on se fait des gros bisous. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier toutes. Là, je vous ai en live, donc autant le dire tout de suite. Vraiment merci parce que c'est con ce que je vais dire, mais on vit tellement dans un monde où les gens deviennent
égoïste, où il n'y a plus de civisme, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'entraide. Et c'est vrai que dans notre tête aujourd'hui, hein, à l'heure d'aujourd'hui, on se dit pff, dans quel monde on vit, il n'y a plus personne qui est là pour les autres. Et quand je vois tous ces partages, voilà, les gens sont venus prendre des nouvelles, je croise les gens dans la rue, vous avez retrouvé votre chat. Les affiches qui ont été mises partout, elles sont restées très longtemps, 2 mois quand même, hein, dans les commerces, ils auraient pu les retirer et se dire bon, c'est tout. Ils nous ont tout le temps demandé, est-ce qu'on retire, est-ce que... Voilà, donc vraiment, merci, 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 merci à vous toutes. Vous me redonnez de l'espoir en ce qui concerne l'humanité. Voilà. C'est sympa, franchement, ça fait vraiment très, très, très plaisir. Et puis, c'est grâce à ça aussi qu'on l'a retrouvée de toute façon. Hein. C'est grâce à tous ces partages et c'est vraiment génial. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Oui, tu fais des gros bisous, Tom? Des gros bisous mousseux. Allez, un bisou par-ci, un bisou par-là et une très bonne soirée. Bisous.